Bonjour, je suis Éric Piolle, le maire de Grenoble, donc une ville dans les Alpes françaises. Ah, c'est un espoir important. Nous avons été élus en 2014 et toute la vague des villes espagnoles ont donné du corps, du cœur à l'expérience grenobloise. Donc nous échangeons maintenant sur la démocratie locale, les réfugiés, les traités transatlantiques, la transition écologique. Regardons finalement qui avance et se donne la force dans cette fraternité. C'est important qu'on ne se sente pas isolé. On vit dans un environnement tous, que ce soit les villes espagnoles, Grenoble, les villes qu'on a vues un peu de tous les pays, dans un environnement où les gouvernements régionaux, les gouvernements nationaux ne sont pas forcément favorables à ces initiatives municipales qui cherchent à s'affranchir des lobbies, qui cherchent à travailler sur les biens communs, qui cherchent à travailler sur la démocratie locale. Le gouvernement français nous attaque au tribunal quand nous faisons des initiatives sur la démocratie locale. Et donc c'est important finalement de ne pas se sentir isolé. On voit qu'il y a de la place partout, que ça monte de partout et ça donne de la force. C'est ça que nous attendons de ces rassemblements. Et puis après, parfois des initiatives très particulières sur des sujets qu'on n'a pas abordés et qui donnent une nouvelle ambition. On se dit bah là, on peut faire beaucoup mieux et beaucoup plus que ce que nous faisons parce qu'on n'a pas pensé, on n'a pas travaillé le sujet. Pour moi, c'est la cohérence de l'action dans la gestion des biens communs. Voilà. Municipalim, c'est gérer les biens communs de façon cohérente dans tous les domaines.